Bam, YouTube, OMG, oh là, YouTube, j'ai pas le temps. Je t'explique, YouTube, on a terminé le jeu une fois, mais maintenant on a débloqué le mode faille. Et à ce qui paraît, le mode faille, c'est long. Du coup, ce que je vais faire, comme j'ai moins d'une heure. J'ai moins d'une heure, et a priori, ça se termine pas en une heure. Mais c'est pas grave. Mais bon, ça suffisamment pour... Laisse-moi te montrer à quel point je suis faible. Alors, choisissez 3 cartes parmi les 5 proposées. Ah! Oh! Ok. Ça... Il va faire un truc équilibré. Ensuite... Ah oui, ça fait fulgurant, bien sûr. Ensuite, on veut... Putain, c'est un deck aléatoire, quoi. Ah ouais, ça me fait bien chier, cette histoire. Ok. Carte non débloquée, il faut les acheter, comment ça? Ah oui, il faut les acheter, d'accord, oui. Ah, mais tout est à chier. Oh, j'aime pas du tout. Oh, il va falloir améliorer toutes les cartes. Aïe. Ok, on va prendre ça. Premier ennemi, poison plus 2, bousculade. Oh là là. Oh, bah vous inquiétez pas, on va mourir très vite. C'est bon. On va speedrun et on va mourir vite, ok? Ça vous va? On va speedrun et mourir. C'est ok. Parce que malheureusement j'ai moins d'une heure, donc il va falloir qu'on aille le plus vite possible. Salut en poche, bonjour, allez. Alors, il faut que je les équipe toutes. Alors, il faut que je choisisse entre ça, ça ou ça. Alors. Oui, j'achète, oui. J'ai plus d'argent. Plus un d'éveil, un d'absorption ou invincible pendant un tour. Invincible pendant un tour, voilà. Ça nous sauvera un moment. Ok, donc là va falloir être. Ok, c'est vraiment un mode un peu... C'est vraiment un mode roguelite ou quoi? Allez. Ce jeu est déjà un roguelite, en fait. Ok, il va falloir aller vite. Ah, mais ils sont boostés, en plus, non? Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Il fait 24 d'attaque, c'est beaucoup. C'est pas habituel, ça. Hein. Ok. Je vous préviens, je vais potentiellement faire des décisions stupides parce que je vais vouloir aller vite, ok? Le but, c'est pas de terminer la run. À mon avis, ce serait impossible, mais... Sait-on jamais ce qui sera possible derrière. Vas-y, hein, tac, tac. Vu qu'on a deux de ténacité, on va se mettre à donf de bouclier, comme ça ils seront pas... Ils seront pas relous au prochain tour. Ici, ils sont bien boostés, ouais, c'est bien ce que je vous disais. Tac. Vas-y, comme ça, j'en serai invincible. Ah mais on n'espère plus à la fin du tour, baisse de 1 à la fin du tour. Du coup, il va mourir en 5 minutes, ça fera bien moins d'une heure. Possible. Mais attends, mais ma ténacité, elle a baissé beaucoup plus que prévu, non? Ah, mais c'est quand on a l'initiative que ça en donne, j'avais pas capté. J'ai pas l'habitude de ces cartes, je les utilise jamais, oh là là. Ok, poison plus 2. Oh, la dinguerie, non. Bonsoir. Ok. Ah, on a que ça? Ah ouais. Oh, va falloir booster toutes les cartes du deck. Oh, ça va être terrible. Bon, l'important, c'est que pour l'instant... Pour l'instant, je maîtrise quand même ce combat. Ce premier combat est maîtrisé. Voilà, bisous. Bim, bam, Balabasbi. On reste en vie. Pourquoi l'icône du mode faille, on dirait l'Elia Cube de Wakfu? Parce que c'est l'Elia Cube de Wakfu. Voilà pourquoi. Bon, du coup, moi qui voulais aller vite, c'est bien, ce premier combat est déjà super long. Prisme écrasant, débloque une unité de Wakfu après avoir joué 3 cartes d'armure. Bon, c'est pas comme si ça allait arriver souvent, mais bon. Alors, petite laine ou... au repos, initiative, pioche une carte. Oui. Oui. C'est une carte d'armure gratuite qui me fait piocher une carte. C'est oui. Alors, où est-ce qu'on veut aller, là? Oh là, c'est long. Ok. Je trouverais chiant.
C'est quoi ça? On verra. Ok, on va essayer de passer par là. Ok, on va passer en bas. On va passer en bas, on verra bien ce que ça donne. Oh, ça va être... ça va être une expérience ce mode faille. J'aime bien l'idée, j'aime bien. Ok, là ils attaquent tout de suite, très très vite, ça me fait pas plaisir. Vas-y, je deviens invincible, comme ça je prends pas de dégâts dans mon bouclier et je vais pouvoir en build 1. Bien sûr, il fait une attaque relou. Alors, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère avoir plus de boucliers ou de la ténacité, ou alors faire tout de suite des dégâts de poison énervés? Pas de dégâts de poison. Et bim, des dégâts de poison. Et du coup, vas-y, je prends ça. Comme ça, je ferai la protection fulgurante au prochain tour. Ça fait trop bizarre de pas avoir les mêmes cartes que d'habitude. Je comprends mieux pourquoi ils en débloquent autant. Ouais, c'est tentant, mais... Faut quand même y aller, bam, bim. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Pour l'instant, ça m'épouse. Bim. Hop. Hop. Et ça dégage. En vrai, on devrait pouvoir s'en sortir dans ce biome-là, j'espère. Je sais pas à quel point les autres vont être boostés derrière. Attends, mais on gagne une carte à chaque fois? On va avoir un deck infini au bout d'un moment. Il faut réfléchir à ce qu'on prend, en fait. Prendre diamant en début de combat, ok. Attendez, j'en ai quasiment plus, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Obtenable niveau 22. Ah oui, d'accord, il nous propose même des cartes qu'on n'a pas. Bien joué. Cible au repos, invincible pendant un tour. Non merci, je ne veux pas. Il faut pas prendre des cartes à outrance, ça sert à rien. Comment ça? Non. On est obligé de prendre une carte, vraiment? Mais je veux pas ça! Oh non, c'est horrible. On nous force à prendre des cartes en plus. Aïe 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 aïe. Oh, ça, ça fait pas plaisir. Ça, ça fait pas plaisir. Bon. On va s'en sortir. D'accord. Donc on va prendre cher, déjà c'est cool. Peut-être pas. Là, ça attaque beaucoup. Hop, bon, invincible. Plus ça. Comme ça, j'ai une défense de fer pour les deux prochains tours. Et je vais pouvoir me concentrer sur l'attaque, vu que là, ils défendent pas du tout. Ok. Ensuite, qui est-ce qu'on va buter là-dedans? Je pense pas qu'on puisse buter qui que ce soit, ça va dire. Pouvoir me remettre de la ténacité, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Là du coup ça fait trop bizarre, j'imagine que ça fait bizarre aussi pour vous, parce que vous avez pas l'habitude de me voir avec des cartes comme ça. La défense, ouais la défense avant tout. En plus ils se défendent pas au prochain tour, donc autant leur mettre la max maintenant. Vas-y, je peux même être invincible. Ouais mais non, si. Ouais si. Je fais un pari en espérant que ça fonctionne. Normalement ça devrait. Ok, ça va le faire. Ah mais c'est lui qui l'a rendu invincible! Je pensais qu'il allait se rendre invincible lui. Ah! Chiant. Chiant man.
Bon, au final, aucun problème. C'est non, mon pote. T'invoques rien du tout, je te le dis. T'invoques air, mon ami. Je te le dis tout de suite, mon poteau. C'est différent, ouais. C'est très différent. C'est le mot. 10 armures après avoir joué une carte divine. Ça, ça, ça tombe bien, j'en ai vraiment plein. Je n'ai aucune carte divine et j'en ai pas avant 4 combats. Alors que les Kama, j'en ai plus du tout. c'est bien ça. Je vais prendre ça, je pense. Bon, bah, frappe sombre alors, hein. Vu qu'on n'a pas le choix. Des armures après avoir joué une carte divine. Bah, non. Non. Non, je veux bien gagner les Kama parce que du coup, vu que j'en ai besoin pour débloquer plein de trucs là. Putain, faut farmer toute sa vie. Faut farmer toute sa vie. J'espère qu'on gagne plein de cristaux de Wakfu hein, dans ce mode. Hein. J'ai perdu! Quoi? Le bâtard. Bon, il attaque pas au moins, c'est une bonne chose. Putain, mais ils me volent mon argent, j'en ai déjà pas beaucoup. Saloperie. Tiens, je peux redevenir invincible si je veux. Je peux même faire une dinguerie si je veux, je peux me rendre invincible pour deux tours, mais bon. Je vais pas le faire, je vais me rendre invincible maintenant. Voilà, ça dégage. Ah, mais du coup, elle va rester là, elle va me voler toute ma thune ou... Elle va se barrer là. Bah oui. Bah oui qu'elle va se barrer, la connasse. Bah merde. Bisous, hein. Bisous, l'Arcné. Bah, c'était cool, en tout cas, on a perdu plein de thunes. C'est bien, hein. Heureusement que j'ai pas perdu de la vie, hein. L'angoisse de ce qui vient de se passer. J'aurais gagné plein, dis donc. T'as fait de belles trouvailles? Non. Voilà, si jamais. Plus 10 poisons au 5ème tour. Ça peut être bien, en vrai, hein, pour l'instant. Plus 6 poisons sur les ennemis après une carte divine, mais de toute façon, je pourrais pas le prendre. En vrai, je vais le prendre, ça. Hein. Non, quoique. Je peux vraiment rien faire. Non, bon, on va garder, hein. Mmh. Allez, bisous, hein. Merci, merci pour rien du tout. Oh non, un combat, un vieux combo, ça. Faudra danser à Macarena pour en gagner. Ouais, j'ai pas trop envie, là, hein. Oh là, 54 d'attaque, direct. Ouf. Je me rends avancé pour deux tours. Ça me fout, il me fout la paix. Enlève l'armure, bah ça tombe bien, j'en ai pas. Hein. Je booste ça pour pas me prendre de dégâts après. Ah, j'ai peut-être fait le bon choix, ouais. Ok, on va se débarrasser du petit en premier parce que il va nous saouler sinon. Là, j'ai une carte gratuite qui fait 35 d'armure, ça fait plutôt plaisir. C'est plutôt sympa. Ok, lui va nous saouler. Ah, intéressant ça. Lui casser la gueule. Je le bouffe tout. Pour l'instant, on s'en sort bien. On a de la ténacité, on va pas se prendre de dégâts. Lui, il revient, c'est chiant, mais on va peut-être pouvoir le rebousculer. Non. Ok, là, je peux être invincible, ou alors je peux juste regagner de la ténacité. Je sais pas quel des deux vaut le mieux. On va regagner de la ténacité, hein. Tant qu'on tente les dégâts, c'est ok.
Ok, là il n'attaque pas. Parfait. Pas d'effet. Ça sert à rien. Faut attaquer un peu là. Encore de la défense? Ah ouais. Bizarre comme choix ça. Encore du poison. On va améliorer la puissance de ça. Prochaine carte, on s'en fout. Pour l'instant, on prend pas de dégâts, mais eux non plus, donc c'est chiant. Après, ils se prennent quand même le poison au final. Putain. Pire, je me rends invincible. Quoique non, ça suffit. C'est pas dingue ce qu'on fait, mais on s'en sort sans prendre de dégâts, donc c'est le principal. Mais je confirme, hein. Je confirme, on n'arrivera jamais au bout de la run. Hein. Il y a un moment, il va falloir que je me sacrifie. Je pense que je vais me sacrifier contre le roi Bouffetou. Hein. Si on arrive jusqu'à lui, bien sûr, parce que c'est pas encore gagné, ça. Ok, ça c'est gratos, ça fait plaisir. Il n'attaque pas, donc on peut directement faire... Est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ça? Ouais, je peux faire ça, hein. Bim. Il est pas loin de mourir du poison, lui. Tant que nous, on survit, c'est le principal, hein. Ok. Le poison ou la survie. Le poison. Ce sera plus intéressant tout à l'heure. Bim. Il meurt forcément au prochain tour, ça c'est bon. Prochain tour, il est mort. Lui, il fait 44, ça fait chier. Je me rends invincible. Et lui, je le laisse m'attaquer. Ça me fera rien. Bah en vrai, ces cartes qu'on ne joue pas, elles sont plutôt pas mal. Hein. Vas-y. Hein. Là, on veut bourrer les dégâts. Hein. On veut bourrer les gars le plus vite possible, hein, pour qu'ils nous laissent tranquille. Attends, en vrai, par contre, je me rends compte, ce mode-là, ça va être trop intéressant, là, les après-midi, là, qu'on va se faire dessus. Après-midi ou soirée, hein, mais... une petite run de 2h, 2h30. C'est compliqué dans ce genre de jeu de déceler le potentiel d'une carte tant qu'on la joue pas. Ouais, bah en fait... Plus ou moins, les potentiels des cartes, je les comprends, mais c'est juste que je les mets pas dans mon deck habituel, quoi. Pousse une carte aléatoire de la main de plus 13 tous les 3 tours. Ouais. Top. Encore une petite laine. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix, hein. Allez. C'est vrai que si je joue 3 cartes d'armure à la suite, je débloque une unité d'énergie. Et ça, c'est pas mal, hein. Pas mal, faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oui, mais plus tranquille depuis que je lui laisse davantage de liberté. Mais on s'en fout de ta vie. Qui a demandé ça, cette info? Oh. Oh, le ténacité plus 1, là. Oh oui. Oh que oui. Là, on est dans un build de ténacité, hein. Là, clairement, on n'a plus trop le choix, donc... On n'a pas trop eu le choix là-dedans, donc on part là-dessus. Faut reprendre une petite laine, bah là... Là, s'il fait froid cet hiver, au moins, je suis protégé, hein, je vous le dis. Je suis poison quand un ennemi est vaincu. Ça, c'est beau. Ça, ça va nous être utile. On veut passer en bas ou reprendre un coffre? Un coffre, hein. Du coffre. Allez, des petits camas, là. 21 d'armure tous les 3 tours. Non, on va booster une carte aléatoire. Ça peut être gaulerie, en vrai. Ça peut être assez gaulerie. Surtout que l'armure, je ferais pas gaffe que je l'ai eu. Alors que le boost, au moins, je le verrai. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a les chauves-souris. Mais attends, mais... C'est dans un autre biome, ça? Ah ouais, carrément, genre, ils sont... Ok. En plus, elle peut nous niquer la défense, je me souviens. Bon, alors, si je veux... Je me mets full défense maintenant et on en parle plus, hein. De toute façon, je vais pas avoir énormément de choix là-dessus.
Bon, je peux attendre. Ok, là ça commence à faire beaucoup de dégâts dans la gueule, mais ok. Le poison, ça ferait vraiment plaisir. On se rend invincible, comme ça ils prennent aucun dégât. Et puis après je vais faire ça, je pense. Putain, il va nous enlever la... il va nous enlever l'armure. Après on s'en fout parce qu'il nous fait pas mal. C'est ok. Y a aucun dégât qui nous est proposé, donc on se met pas l'armure. On a tout ce qu'il faut là pour avoir une ténacité d'enfoiré. Si nécessaire. Mais pour l'instant, apparemment, c'est pas le délire. Ok, là, ça va être intéressant. Oh putain. Petite laine à l'infini. Bah, en vrai, je vais utiliser petite laine pour le moment parce que. Il me faut des cartes attaque là, surtout. Ok, si je fais ça. Hop là, je suis invincible. C'est dommage qu'on ait pas toutes nos ultis là. Hop là. Pour l'instant on n'a pas repris de dégâts, ça fait plaisir. Oh, il va se soigner le 65, c'est beaucoup là. Personne n'attaque. Bon, est-ce que ce sera pas le moment de se fortifier vu que de toute façon on a accès à foutre. Malheureusement. Avec ça, on pourra piocher une carte au prochain tour. Oh le bâtard. Il s'est mis trop bien là, il se remet full life, cet enfoiré. Oula, ça attaque hein. Ça attaque, ça attaque. On va pas avoir trop le choix que de faire ça. Un tour pour rien, c'est cool. Mais lui, il se remet toute sa life. J'ai le seum, hein. J'ai le démon. J'ai le démon, le mec est en train de se refaire toute sa vie. Tant que eux, ils sont pas faux soignés. Comment ça, lui, il va m'enlever ma défense? C'est abusé de faire ça. Hein. C'est une dinguerie. Moi, bah, je fais ça. Hein. Je peux devenir invincible, mais tout le monde s'en fout. Bon, au moins, on est débarrassé de sa merde. On est débarrassé de ses merdes. Putain, moi qui voulais aller vite, le jeu me le propose pas, hein. Alors, j'ai plus de ténacité maintenant, c'est terminé. Par contre, eux, ils ont de quoi me casser la gueule. Et ça, ça fait pas plaisir. Mais... voilà, il m'a foutu, pourquoi ? Je peux devenir invincible. Et c'est ce qu'on va faire. En fait, ça me saoule la l'ordre des ennemis. Plus tu vas aller vite, plus le jeu te ralentit. Essaye de jouer lentement, ça ira peut-être plus vite. Réel. Bon, il va m'enlever mon armure et eux ils vont m'attaquer. Oh, je suis dans la merde. Heureusement, je peux devenir invincible. Donc tout le monde s'en fout. Allez. Bisous. On va augmenter la puissance. On va augmenter la puissance de la petite laine pour qu'elle soit vraiment utile. Ou de ça, peut-être. Allez, ça. Parce que là, faut s'occuper de certains ennemis en priorité, là. C'est pas normal que lui, il soit derrière. Alors que je dois le tuer, quoi. Ok, il va mourir tout seul du poison, lui, quoi qu'il arrive. Quoi Koubé, s'il arrive, il va mourir tout seul de poison. Si je tente les 44 de dégâts ici, je ne risque rien. Je peux lui faire... bim à lui. Et lui, je peux lui faire... oh, j'ai fait une connerie. Oh, j'ai fait une connerie. Oh, I got a connerie.
Oh, je voulais pas faire ça du tout, hein. Aïe, 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 aïe. I have done a big connery. A Sean connery. Aïe, aïe, aïe. Bon, au moins, il y a le fléau toxique. Aïe, 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 aïe. Oh, le débilos. Putain, j'ai poussé lui, du coup, c'est lui qui m'a retiré l'armure et lui qui m'a attaqué derrière. J'aurais dû les laisser dans cet endroit-là, c'est très très bien comme ils étaient. M'en bats les couilles, frère. Ils vont quand même mourir très vite du poison et je vais a priori plus me reprendre de trucs dans la gueule si tout va bien. Oh non. Hop, on part là-dessus, et bim, bim. Et dégage. Bon, j'ai pris des dégâts inutilement, ça c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment pu les éviter, mais bon. Tant pis, hein. Je vois déjà le Kwaku Bénul, mais quand j'ai compris le principe du jeu de mots, il y a quelques jours, j'ai encore plus eu envie de me pendre. Eh oui, coup A, coup B. Voilà, fin du jeu de mots. C'était Monsieur Rien du Tout. Allez, bisous. Il est mort, tout seul, comme un nul. Xenomorph, mais tu es passé de bien à dans la merde. Bon, ça va, en vrai. On a perdu un peu, mais... on n'a pas tout perdu. On rentre un PV à tous les ennemis en début de combat. Pas de la merde, ça, quand même. Hein. Ah. Est-ce que je veux une frappe normale, ou est-ce qu'une salve sur tout le monde, là? Allez, hein. Bisous les Kama, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a aucune idée de ce que c'est que ça, hein. Je veux voir. Hein? Bonjour, jeune voyageur. Présente à Kumo pour te servir. J'ai par ton jeune âge, je veux être au repos. Ria m'a beaucoup parlé de toi. Tu as été dépouillé de toutes tes techniques et qu'elle t'a enseigné. La chance dans ton malheur d'être tombé sur moi. Je peux t'enseigner des techniques que tu as perdues moyennant quelques jetons et qu'un flip. Attention, je vais venir, je n'enseignerai que les techniques apprises chez Ria, rien de plus. Elle me tuerait si elle apprenait que j'approche un de ses élèves. Comment ça, j'apprends? Je peux acheter des cartes, là, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah. Ah, ok, en fait, on est en train de build, et quand on sera à 14 cartes, après, ce sera une autre histoire, je pense. Ah bah, c'est parti pour frappe brûlante. Pourquoi je peux pas, là? Parce que je l'ai déjà, j'imagine. Vas-y, moi qui voulais tester la frappe brûlante. Ok. Bon, 14h14, on va pas aller très loin. Hein. Putain, du coup, on a d'abord un ennemi d'élite, puis le boss. À la suite. Je suis pas rassuré. Putain, mais attends, c'est deux élites, là. Bouffe ton lit et bouffe tout chaman élite. Ça va, les gars? On vous dérange pas? Pas l'impression que c'est beaucoup. Le poison, je pense, c'est peut-être le plus indiqué, quand même. Je m'en remercie très tôt, j'avoue. Mais d'un côté, c'est vraiment... selon j'ai besoin. Ok, il va m'enlever ma... Il va m'enlever ma... mon blindage, j'en ai rien à foutre. Personne n'attaque ici? Si personne n'attaque, si ça vous dérange pas, les gars, moi je vous casse la gueule. Hein. On fait ça, bim, et voilà. Hein. On en parle juste plus, hein. Ça commence plutôt bien. Bon, après, du coup, lui, il va se regagner toute sa vie en arrière et tout. Et il va finir par revenir, bien sûr. Oh non, il va rendre tout le monde invincible. Le relou. Ça, c'est giga chiant, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, c'est défense. Défense land. Hop là. Ok, bon, pas trop mal. Ouais, tout le monde est invincible, ça casse les couilles. Moi, je prends pas de dégâts, c'est le principal. Je vais pouvoir regagner en blindage, et heureusement, parce que putain... J'ai envie de dire, ça c'est sympa, mais de toute façon, ils vont rien prendre, et bon, après, ils auront le poison.
Merde, on peut pas ça. Ok. Réfléchis. Si je fais 48, je me prends 27 dans la gueule derrière. Alors que si je me prends 19, je suis invincible pour toute l'action. Malheureusement, c'est plus logique de faire ça. Malheureusement, c'était le plus logique. C'est pas ce qui me rend le plus heureux pourtant. Personne m'attaque. Je vais peut-être leur mettre du poison dans la gueule hein, pendant qu'on y est. Bam. Ça, je vais... comme ça, prochain tour, elle fera giga mal sa mère. Je vais pas l'utiliser maintenant, lui on s'en fout. On va prendre de la place dans l'inventaire et puis voilà. Oh là là, j'ai 7 malédictions dans ma... Oh là 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 là. Et vas-y que tout le monde est en train de se... Oh non. Il a boosté instinct. Ah, non, il a boosté ça. Oh putain, il est en train de redonner de la vie à tout le monde. Je suis battu. Bon, au moins, personne n'attaque. Donc, ce que je peux faire... je pense qu'il faut que je bute lui en premier, la chauve-souris. Je pense qu'il faut vraiment que je bute la chauve-souris en premier. Je suis dans la merde, hein, je vous le dis. Je vous le dis, je suis dans la merde. Putain. Il va regagner toute sa vie, cet enculard. C'est trop. C'est trop. Faut que je le bourre de poison, faut que je lui remette du poison à lui. Ça me fait chier, parce que lui, du coup, il a... Oh, ça me fait chier, putain. C'est pas un bon move. C'est pas un bon move, je le sais, mais... Malheureusement, le jeu me donne pas énormément de choix, là. Le jeu me donne pas énormément de choix. Ah, trop relou que les chauves-souris soient déjà là, quoi. Oh, ça nous met trop mal, hein. Putain, il redonne à tout le monde. Oh là 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 là. On est dans la merde. Il faut que j'attaque, hein. Où j'attaque. Putain, j'ai que des cartes à deux, là. Soit je build pour le prochain tour. Enfin, non, juste pour ce tour-là, en fait, parce que... Oh, y a les cartes que je tire, en plus, frérot. Oh, y a les cartes que je tire. Une abomination, hein. Ok, un tour gratuit, au moins, ils sont pas mal. Oh. Ça, c'est plutôt cool, ça. On a pu les amocher tous. Et bon, là, ils rendent invincibles, voilà. Aïe, 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 aïe. Mais c'est infini! C'est infini, frérot. Il se redonne encore de là. Oh là là, j'en peux plus. Il faut que je leur mette du poison au prochain tour encore. Débarrasse de ces cartes de con. Faut vraiment que je me débarrasse des cartes de con, hein. Putain, il revient, il est de retour. Putain, il recommence à les rendre invincibles. J'en peux plus, frérot. J'en pops. Ok. Mmh.
Faut la buter la chauve-souris, au bout d'un moment elle commence à casser les couilles. Je mets toutes les chances de mon côté pour la buter le plus vite possible. Ça va pas suffire encore. Mais au moins là elle sera le plus proche d'être butée. Ça sert à rien que je fasse ça. Faut juste que je me prenne des dégâts là. Faut que je me prenne 20 dégâts. Putain mais... C'est insupportable, il continue les heals derrière. C'est insupportable. Ce combat est horrible, vraiment. Je le hais ce combat, je n'aime rien de ce qui se passe. Ça va pas du tout ce combat. Ok, ça n'attaque pas. Si ça n'attaque pas, il vaut mieux que moi j'attaque. C'est bon, la chauve-souris est morte, le combat est gagné. C'est vraiment la chauve-souris qui nous bloque depuis tout à l'heure. Là, comme ça, elle a l'air nulle, mais en fait, elle casse les couilles depuis tout à l'heure. À enlever la défense et tout. Là, tous les deux, eux, ils servent à rien du tout. Ça va juste être un peu long de les tuer. Mais en soi, on s'en fout. En soi, on s'en fout bien. Bon, quoi qu'il en soit, il faut que je mette de la défense. Faut que je mette de la def. Bon, en vrai, tout est bien. Hein. On va attendre. C'est Dragon Cookie. Tu es un peu à la fin du stream. Mais il en reste encore un peu. Ok. Oh, il va booster le 14. Oui. Il va faire que... Ouais. Tac. Hop là. Je peux me rendre invincible si je veux. Ça permettrait de lui mettre une ulti dans la gueule quoi qu'il en soit, donc c'est pas mal. Après je peux juste aussi faire un sacrifice. Mais vaut mieux pas que je fasse un sacrifice pour le moment. Non, on va se rendre invincible. Ça sert à rien mais... Autant cette carte ne servira à rien au prochain aussi donc... Autant y aller. Autant faire des dégâts. Oh, j'ai pas hâte de voir le boss, hein. J'ai pas hâte de voir le boss, s'il est amélioré, le combat va durer 1 an et demi, hein. Allez, oh, 64, non, Brother. Le Brother. Bon bah, quoi, vu qu'ils font pas d'attaque, je fais ça, ça leur balance du poison en plus dans la gueule. Et voilà, hein. C'est un combat qui n'en finit pas, hein, je vous le dis. Et allez, ça se soigne encore, super. Et est-ce que je peux faire quelque chose contre ça? Non. En plus, il le booste. Vas-y, hein. Putain, il a toute sa vie, lui. Il a toute sa vie, frère. On n'en peut plus. Ok, il est mort. Enfin, putain. Oh, on n'en pouvait plus, hein, vraiment. Allez. Hein. He's dead. Enfin. Infini. Infini, ce fight. Prends ça dans la gueule. On n'en pouvait plus de lui, hein. On n'en pouvait plus. Frère, il attaque même pas, il fait que s'il se défend encore alors qu'il est tout seul. Ok, bon là j'imagine qu'on a une carte de baiser. Oh la carte de baiser qu'on a eue là. Boost toutes les cartes en main, sacrifice. Bah ouais, super. Ouais, je relance, hein. Allez. Je suis dormi après avoir joué 2 cartes au boost à la suite. J'en ai pas. C'est ciao. Bon, autant vous dire que si j'arrive déjà à faire le boss, c'est...
C'est un miracle, hein. Si j'avais déjà à vaincre ce boss-là, c'est un miracle. Bouffe tout. Royal. C'est parti. J'ai pas d'étourdissement, donc je pense que le fight est horrible. Ah oui, il va être avancé pendant deux tours, déjà, c'est cool. Ok. Bon, on commence déjà avec des belles choses, cela dit. Hop, je me mets beaucoup de défense ici, comme ça la carte sera utile. Vu que là, tout ce qu'il y a à faire, c'est attaquer, voilà. On s'en doutait. Ok, du coup, j'ai gagné un d'énergie, c'est plutôt cool. Bah, ça sert à rien que j'attaque, là. Hein. Oh, 70, ça va. C'est pas abusé, je trouve. Ça fait fou. Eh bah, c'est cool. Hein. J'ai de quoi me protéger. Non. Je vais pas me rendre invincible, ça sert à rien. Aïe, 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 aïe. Ok, là, il invoque. Il invoque, ok, tranquille. On va pouvoir lui mettre. Bim. Bam. Et je garde mon énergie, j'en ai besoin, là. Va y avoir un nouveau monstre juste derrière. Je vais avoir besoin de mon énergie, là, tout de suite. Ok. Oh, putain, des dégâts perçants, frérot, t'abuses. Et bien sûr, qui a de quoi devenir invincible? Moi, heureusement. Heureusement, j'ai de quoi être invincible. Hein. Je vais même faire une attaque technique. Hop. Comme ça, je suis invincible au prochain tour aussi. C'est dur, hein. C'est clairement pas les mêmes runs, là. Hein. Clairement pas les mêmes runs. C'est Sensti. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on est sur une fin de stream. Hein, à la fin de ce fight, je pense que j'arrête quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Si je gagne ce fight, j'arrête. Si je perds le fight, j'arrête. Parce que malheureusement, je dois m'en aller dans quelques minutes. Dans 10-15 minutes. Ok, alors, ils vont m'attaquer, mais je suis invincible, donc... Autant leur foutre le max de poison. Vu que de toute façon, derrière, ils sont invincibles. Est-ce que je me débarrasse d'une petite laine? Non. Hop là. Heureusement que j'avais de quoi être invincible sur ce tour-là. Hein. Ok. Ça fait une carte gratuite, hein, on s'en fout. Bon bah ça, on va déjà l'utiliser, c'est sûr. Là, j'ai juste à l'autre marche à suivre. Je pense que le mieux... C'est faire des dégâts à tout le monde, hein, tant qu'on y est. Je vais prendre 12 dégâts que je ne peux refuser, malheureusement. Je pense pouvoir finir le fight d'ici là, ou... Au vu du dernier fight? En vrai, il y a moyen. Le fight se terminera, quoi qu'il en soit, par ma mort ou par sa mort. Dans 10 minutes, l'un de nous deux est mort. Lui... Non, mais 25%. 25%. Je répète, 25 dégâts perçants. Je ne peux rien faire. Absolument abusif, hein. Ah, on peut peut-être faire quelque chose. Peut-être pouvoir faire quelque chose. Il va peut-être mourir du poison, en fait. Ok. Faire ça comme ça, je pourrais lui faire une charge nocive à lui. Ça lui rajoutera du poison. C'est bon, oh là là. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, pas mentir. Il se rend invincible. Bah voyons, bah voyons. Je lui mets la max. Là, je peux me permettre. Je peux me permettre de faire un perfect. Surtout qu'au prochain tour, a priori, je ferai 3 cartes d'armure d'affilée. Sauf si le jeu ne donne vraiment pas de quoi faire. Ah, il se rend invincible pendant 5 tours. Bah, ça va. Hop. Comme ça, j'ai une unité de Wokfu supplémentaire. Je vais augmenter mon bouclier parce que je sens que s'il est invincible pendant 4 tours, va falloir que je tank pas mal. C'est un peu un bâtard de faire ça quand même, hein, si je peux me permettre. Un peu abusé, mais bon.
Parce qu'en fait, je peux pas l'attaquer. Ça, est-ce que ça lui donne du poison? Oui, bon, bah c'est déjà ça. Vas-y, j'ai pas besoin de carte d'attaque, hein. Ça, c'est très très grave, hein, ce qu'il a fait, quand même. Le coup de faire deux tours d'invincibilité, là. C'est très très grave. Oh, j'ai aucune carte pour me devenir... Et en plus, il a boosté mon truc d'invincibilité, vas-y. Allez, on n'a pas le choix de faire ça. On devient invincible pendant deux tours, nous aussi. Et du coup, je vais lui taper dessus avec... avec ça et ça. Super. Super move. On se fait pas mal, c'est cool. Il faut que je me débarrasse de cartes, là. Ok. Oui, la ténacité là. Oh oui. Comme ça, je débloque une quatrième unité de Wakfu. Et je vais pouvoir rien faire du tout. Vraiment rien faire parce que je vais utiliser ça. Hein. Allez, il est plus invincible. Comment ça, en outre? Le frater. Moi, je suis obligé de me rendre invincible encore une fois. Quoique, peut-être me rendre invincible au prochain tour, ça l'a dit, ça serait peut-être mieux. Ah, ce serait mieux, je pense. Allez, hein. On prend dans la gueule, c'est pas grave. Et ouais. Et ouais, 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 ouais. Sympa, tous les dégâts. On va clairement passer sur de la ténacité. On va pleurer, voilà ce qu'on va faire. Putain, c'est trop, c'est trop. Oh là, c'est trop picot. Je dois attendre qu'il succombe du poison, lui, mais... Oh, les dégâts qu'il va faire, lui, ça va être des dégâts perçants. On parie. Voilà. 48 dégâts perçants que je ne peux esquiver. Heureusement, j'avais prévu de garder ça dans ma main. Donc, je suis immunisé. Allez, on s'en taille, voilà. C'est infini. C'est infini. Heureusement que j'avais de quoi l'empoisonner, lui, là-bas. Là, il prend des dégâts au moins tous les tours, mais... Il continue de faire sa merde, lui. Vraiment, il a que ça à foutre. Aïe, 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 60 dégâts. Au moins, c'est des dégâts que je peux tanker avec le bouclier. Mais j'ai pas assez de bouclier pour les tanker. Et personnellement... La meilleure des défenses, je pense que c'est l'attaque. Allez, hein. On prend que 8 au final, parce que les autres, ils font que se défendre. Putain, lui, 80 de défense. On s'amuse bien. Oh, 86 d'attaque, il a, lui. Oi, oi, oi. Si seulement je pouvais lui mettre à lui, hein. Bon, il faut que je tente que 30 dégâts, là. On avait oublié cette carte. Et bah, c'est peut-être le moment de l'utiliser. Hein. C'est effectivement le moment de l'utiliser, je pense. Il casse les couilles, lui. Il casse les couilles, le fratello. Bien sûr, 25 dégâts perçants. Ok. Écoute-moi bien, espèce de petit. Tiens. Okay. I got a plan. J'ai un plan, j'espère qu'il va marcher. Je prends pas de dégâts. Lui a boosté lui. Ah non, il booste lui. Bah, bravo pour le boost. Félicitations pour ton boost, mec. Maintenant. Défense. Défense. Et défense.
un en moins. Petit à petit, hein. Petit à petit, on est dans la merde. Voilà le proverbe. Lui, il meurt à petit feu du poison. C'est long, mais on y arrive. Oh, le nombre de dégâts qu'il y a à faire. 48 dégâts, personne. Ok, il faut que j'arrive à le buter. Je peux le buter. Il n'y a aucun souci avec ça. Je réfléchis. J'ai pas l'intérêt à faire ça, si. Ouais, non. Tac, tac. Comme ça, je débloque unité de Wakfu et je peux faire ça. Ah, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, hein. On va y arriver, les gars. Allez, hein. On se remet. On se remet ça. On va se rajouter la défense. J'en peux plus. J'en peux plus, mais on va gagner, putain. On va le gagner, ce combat. Non, mec, refais pas un monstre. Oh, je le déteste. Oh, je le hais de tout mon être. Putain, j'ai de quoi le laminer, et non. Non, bien sûr que non. N'en veut plus, on n'en peut plus. Bon. C'est bon, il est mort, vous n'arrivez pas. Il est mort. Grâce à un système de redstone. Bon, bah, let's go. On aura au moins battu le bouffe-tout royal. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, c'était une expérience à vivre. Hein. Une expérience de vie, là. Hein. Ah! C'est quoi, ça, les pics cornus? C'est nouveau, ça. Ah non, mais je suis con, c'est le troisième biome, non? Donc là, je choisis par qui j'ai envie de me faire casser la gueule. Allez, par vrai. Donc là, ce que je vais faire, mesdames et messieurs, malheureusement, non par pur plaisir. Ah mais non, mais c'est vraiment un autre biome. Hein. Malheureusement, je vais me laisser mourir. Hein. Oh mais revoilà mon petit jeune, comme tu peux le voir, je prends un bon temps en montagne, si personne ne veut m'embêter, et surtout pas les rats géants en bodybuilder. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de voir passer mon coco, fais attention à toi, les bouffes tout ici sont plus sauvages que dans les champs. Ah non, c'est vraiment un autre. C'est vraiment un réel autre biome. Oh, chouette ça. Il est de retour, lui, bon, on s'en fout. On s'en fout, pourquoi? Parce que je vais me faire rebooter volontairement par les prochains ennemis. J'ai pas le choix. Il faut que je m'arrête. On aura quand même passé un bon moment. C'était quand même rigolo. Allez hop. C'était rigolo. Il est impossible de sauvegarder, c'est dommage vu la longueur de la run. C'est clair. Oh mais il y a des nouveaux bouffetous. Des bouffetins. Visiblement un mec qui attaque de derrière. Je suis pas particulièrement étonné. Il faut que je me fasse casser la gueule. Allez, cassez-moi la gueule. Ok, je vais gagner le combat, ça va m'énerver. Allez. Allez, ouais, hein. Allez, oui, oui. Oui, allez, c'est bien. Je vais gagner le combat, c'est cool. Putain, l'enfer. C'est infini. Il attaque beaucoup, quand même, hein. Il attaque fort, le bouc, hein. Bon, on essaie de mourir en fait, monsieur, je vous le dis, hein. J'essaie de crabs, hein. Au cas où. En plus, j'ai gagné. Bah, ça nous casse réellement les couilles, mais bon. Ah, peut-être que je vais avoir une récompense, hein, par contre. Ah, c'est trop bien qu'il y ait un biome en plus. Et des biomes supplémentaires, c'est chouette, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je veux quoi? Je veux un combat, vite. Ah, il y a un combat d'élite en haut. On va faire le combat d'élite. Pour perdre le plus vite possible. Oui, une carte. Carte, je veux la carte invincible, voilà, merci. Chez lui. Ah, mais chez toi! Quel bel endroit pour y retrouver. Et bah quoi, tu manques un... Mais c'était le clodo. J'étais dans le besoin, Cardia. Tu as accepté de me donner quelques camas, souviens-toi, gamin. Enfin, il faut dire que je m'étais pas présenté, mais j'ai jamais trop tard, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Claude.
Prétendons, j'ai investi des kamas dans de la crypto-green. C'est une nouvelle monnaie qui a pris énormément de valeur après mon investissement. Je vois à ton regard que tu as peu de mal à me comprendre, ce n'est pas grave, je t'en parlerai une autre fois. Tout ce qui compte, c'est que je sois devenu riche, et tout ça, c'est grâce à toi, merci. Bah, n'hésite pas à me donner de l'argent, du coup, hein, mec. Bah, tant pis. Allez, comme tu es là, monsieur. C'était pas censé être un ennemi d'élite, là, hein ? J'ai pas compris. Allez, on réfléchit pas, on attaque, et si on gagne, bah tant pis, hein. Normalement, je suis pas censé gagner, là. En fait, là, je joue bêtement pour essayer de mourir. Mais si je réussis à gagner un peu, bon, bah... Tant pis, hein. Si j'ai réussi à gagner un peu l'XP, si je gratte un petit peu l'XP par la même occasion, voilà. Je clique sur les cartes sans réfléchir, les gars. Tout à l'heure, je réfléchissais et je merdais. Venin, poison plus 13. Oh, j'aime bien cette carte-là. On prend ça. Plus 21, c'est le combat. Non, mais non, je dois pas survivre. Putain, mais en plus, le nouveau biome, c'est des chemins bizarres qu'il nous faut emprunter. Ah, mais c'est maintenant l'ennemi d'élite, en fait. Laissez-le mourir. Je vous jure, j'en veux plus. Ok. Putain, trop stylé, en vrai. Oh. Bouffetin doré. Bouffetin, bouffetin élite, bouffetin noir, ok. Allez, je réfléchis pas. Attaquez-moi. Je te jure que si je gagne le combat sans réfléchir, je pète un plomb. Visiblement, c'est lui avant les autres. Hein. Alors, par je réfléchis pas, je dis pas que je veux mourir le plus vite possible. Je dis juste que je m'empêche de faire des conneries. Inflige dégâts, s'interrompt si les dégâts sont subis. Ah ouais. Mais je lui fais subir, les gars, là, non ? Il est très fort ! Là, ça s'en fout... Ouais, allez. Hein. Ah oui, c'est parce qu'il avait le truc qui rendait invincible, j'ai oublié. Bon. Se le place en propre position, inflige les dégâts en fonction de la distance parcourue. Pas cool, ça. Hein. Vous vous souvenez quand j'avais dit que je voulais mourir ? Bon, allez, hein. Si je peux gagner le combat et gagner l'XP, franchement, je dis pas non. Juste que je veux activer, quoi. J'imagine la gueule du viewer YouTube qui dira « Ouais, au prochain combat, je me suis suicidé, qui voit encore 15 minutes de vidéo. » Bizarre. Faut mourir. Vas-y, tue-moi juste. Tue-moi, je vous en supplie. Voilà, merci. En vrai, je pouvais survivre à ce tour et gagner, hein, mais je viens de voir l'heure et je me dis, il faut que j'y aille. Faut que j'y aille, ça me saoule, hein. J'ai vraiment envie de jouer, hein. Mais malheureusement, le sport n'attend pas. C'est tout 670. Mais c'est éclaté. C'est pas assez, 670. Il y a trop de cartes dans le jeu. Il y a trop de cartes dans le jeu, là. Comment 670? Comment ça, mon ref? Bon, bisous YouTube, désolé pour cette fin de vidéo très rapide, mais il faut que j'y aille, OMG. Salut mon pote.